Alors bonjour, je cherche à me débarrasser de cette machine à coudre. C'est une Timonier, il y a longtemps que je l'ai. Elle marche très bien, elle s'ouvre comme ça. Je vais vous la sortir parce que là elle est dans sa boîte. Je vais sortir la pédale. Il n'y a que la pédale qui est cassée, mais elle marche, hein. Je vais vous montrer. Voilà, je sors la machine. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la machine, c'est pas l'emballage. Voilà, je vous la montre comme ça. Elle fait le point droit, le zigzag. C'est tout. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Elle met une aiguille. Il y aura du matériel avec, hein, parce que j'ai plein de choses. J'ai pas fait la poussière dessus. Voilà. Alors la poussière est en plus, mais elle est gratuite. Elle est gratuite. Là, vous avez un boîtier avec des accessoires dedans pour faire les boutonnières. Pour faire les boutonnières. Il y a des canettes, je vous donnerai des canettes. Il y a pour faire les boutonnières, il y a pour faire les fermetures éclair et passer des rubans. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Sur le côté, elle a, ou c'est sur ce côté-là, voilà, ici, elle a un petit bouton. Quand on appuie dessus, on libère le bras pour pouvoir enfiler directement dedans quand on a besoin de faire une jambe de pantalon ou une manche. Voilà. Sinon, moi, elle a toujours marché. J'ai le petit livret qui va avec. Je crois que je l'ai mis dedans. Voilà, il est dedans la boîte. Il est là. Il y a la marque des aiguilles qu'il faut. Alors, elle date des années 70, 80, 80, quelque chose comme ça. Voilà, parce que je faisais des ateliers pour une société et c'est eux qui m'avaient acheté cette machine. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si elle vous intéresse, vous me mettez un message en dessous de la vidéo ou vous m'envoyez un mail, hein? Et je vous dirai ce que je veux. Ne me demandez pas le prix sur le commentaire. Je ne vous dirai pas de prix. Voilà. Si elle vous intéresse, vous mettez votre commentaire et vous m'envoyez un mail. Je vous dirai les conditions pour l'avoir. Voilà. Je l'envoie par Mondial Relais uniquement. Je ne l'envoie pas par la poste. Elle est lourde quand même. Hein? Elle fait son poids. Elle doit faire 3-4 kilos. Parce que ma machine, elle va jusqu'à 5 kilos, mon pèse-lettre. Donc, je peux pas la peser. Mais elle doit faire plus de... Attendez, je fais pause. Bon, j'ai apporté ma balance. Elle est en train de calculer. Le zéro. Voilà. Je la pose dessus. Mais à mon avis, elle fait plus de 5 kilos. Oui, elle fait plus de 5 kilos parce que ça ne me fait pas le poids. Donc, je ne peux pas la peser. Et en sachant ça, en plus, il y a la boîte. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette machine? Alors, le point droit se règle sur le 0. Et puis, pour le zigzag, ça va jusqu'au 4. C'est facile comme tout. La marche avant, la marche arrière. Là, c'est pour les canettes. Il suffit d'appuyer là pour les canettes. Là, c'est pour faire les boutonnières. Ici, vous avez les indications. Elle fait le stretch aussi, le point stretch. Vous savez, le point qu'on peut élastique. Ici, on peut changer l'ampoule qui est là, mais elle marche bien. Je vais vous la brancher pour vous montrer. Alors, il n'y a que la pédale. Elle marche avec une pédale, mais la pédale, je l'ai cassée. Alors, je l'ai toute rescotchée.
Mais n'empêche que ça marche quand même, hein. Voilà. Si je mets le courant, ça marche mieux, hein. Voilà, allumé. Voilà. Si je mets un bout de tissu. Sous le pied de biche. Hop. Voilà. J'appuie sur la pédale. Elle est douce, elle fait pas de bruit, hein. Donc je l'ai graissé en plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour cette machine? Là, c'est la longueur des points. Ça dépend ce que vous. C'est pas la longueur des points. C'est la tension du fil. Voilà. La longueur du point, c'est là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, pour faire les canettes, il suffit de tirer sur la poignée ou d'appuyer dessus pour le. Pour ça. Elle est vraiment. Je m'en suis séparée parce qu'il y avait un point qu'elle ne faisait pas et que j'avais besoin. Voilà. Pourquoi je m'en sépare? Je m'en suis acheté une autre. Plus moderne. Y avait quelque chose que je voulais faire et elle ne faisait pas. Alors j'ai dit je vais la changer et puis celle-là je la vendrai. Alors je l'avais mise sur le bon coin, elle n'est pas partie. Donc là maintenant je vois avec vous si ça vous intéresse. Voilà. Et ben écoutez. Je vous la remets là. Alors, la pédale, hein, il n'y a que ça à réparer. Si ça vous intéresse, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Après, ma foi, sinon, elle part à la benne. Parce que moi, je stockais du matériel qui ne sert à rien. Voilà. Elle a une poignée pour le transport. Ce qui est bien, c'est qu'elle a une boîte, elle a un coffret, c'est pas un chiffon qui va dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me mettez un message ou vous m'envoyez un mail. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.